Bonsoir, le temps n'était vraiment pas fameux ce samedi et il va se dégrader pour la journée de dimanche. On attend un fort coup de vent sur le nord et le nord-est. On a une vigilance qui est en cours, notamment pour les départements les plus au nord où les rafales pourront dépasser les 100 km à l'heure au cours de cette journée dominicale. On va retrouver cette perturbation pour ce dimanche matin entre le centre-ouest et le nord-est. De la pluie et de fortes rafales de vent, des pointes à 90 km à l'heure pour le nord avec 100 à 110 pour la partie est de la Manche. Vous retrouverez un temps sec et lumineux des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Et dans l'après-midi, cette perturbation va rapidement se décaler vers le sud-ouest avec des averses pour les régions du nord et de l'est. Attention aux rafales de vent, elles pourront atteindre 90 à 100 km à l'heure au nord de la Seine ainsi que jusqu'au niveau de l'Alsace, des pointes à 110 du côté de la côte du Pas-de-Calais ou encore sur la côte belge. Vous retrouverez des éclaircies pour le nord-ouest et encore du soleil pour l'extrême sud-est. Les températures de votre dimanche matin déjà très douces entre 8 et 12 degrés sur la majeure partie des régions et l'après-midi, on aura 11 degrés près de la Manche, jusque 20 à 22 pour la Méditerranée, comptez 13 à Paris, 16 pour Lyon ou encore pour Toulouse. Lundi, un temps qui va s'améliorer entre passages nuageux et éclaircies, quelques averses toujours pour les régions de l'Est, neigeuse à très basse altitude, 400 à 600 mètres à peine, beaucoup de vent mais du soleil pour la Méditerranée et les températures seront en baisse généralisée. Cette fois-ci, elles seront plutôt fraîches, notamment pour le Nord et pour l'Est. Mardi, nouvelle perturbation qui va revenir par les régions du nord-ouest avec à nouveau de la pluie et de fortes rafales de vent. Le temps sera sec et lumineux pour l'est et pour le sud et les températures seront en hausse, bien douces pour l'après-midi après de petites gelées matinales. On aura 14 degrés en Bourgogne, 17 pour Lyon et 19 pour Toulouse. La suite de la semaine s'annonce très perturbée avec un mercredi très agité, averse à caractère orageux, parfois du grésil et de la neige pour tous les massifs. Encore un ciel plutôt mitigé pour jeudi avec la survenue d'averses neigeuse en montagne, des températures à peine de saison. Et puis pour vendredi et pour samedi, nouvelle perturbation qui reviendra vendredi par le nord et elle devrait traverser le pays pour la journée de samedi avec des températures qui seront un peu plus douces que précédemment. Demain, nous serons le dimanche 10 mars et nous fêtons les Viviens. Excellente soirée à tous, très bon dimanche et à demain.